change notre vision, notre perception des gens. Donc aujourd'hui, on a trop tendance à avoir... Il y a trop de mauvaises choses au niveau de l'art, au niveau des médias. Je suis désolé de vous dire ça, parce que vous en faites partie. Mais au niveau des voilà, la télé, la musique, toutes ces choses-là, ils pourrissent un peu la façon de penser. Je pense surtout aux futures générations. Il y a des étoiles, mais il y a des baladez-vous un petit peu, il y a des femmes avec des pantalons, il y a des chaussures, il y a des objets, il y a un piano, on peut repenser un piano complètement d'une autre façon. Voilà, et c'est ça que je veux. On peut mettre la peinture de Red Dito sur tous les objets de la vie contemporaine. C'est même conseillé. D'accord, et l'avenir c'est quoi? L'avenir c'est quoi? C'est une prochaine exposition encore plus grosse. D'accord. Encore plus grande. Où ça? Je sais pas, peut-être à Paris, mais peut-être pas, parce qu'il n'y a pas que Paris. Paris c'est pas la France. Donc c'est bien, il y a des gens qui font des expos à Paris, il y a des Parisiens qui font des expos à Paris, et puis il faut aussi des gens qui font des expositions ailleurs. Merci David de nous avoir invités ici ce soir. Avec plaisir. Merci, merci David. Et c'est encore un témoignage d'amour ce soir que d'être là, entouré de ces magnifiques toiles. Et cha-la-la-la, 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 alléluia. Got to be strong.